ci digënte marak mase bi julu li suuf sedde ci leen gaawan tuufatu mi ngi doon gara ni bi jolol yu teddi ci melax yi xawe laax yeneen yu mel ni lu doon riir ngir. Malgré le discours dominant sur une société mondiale du savoir, un nombre intolérable d'adultes et de jeunes n'ont pas les compétences requises pour satisfaire leurs propres besoins et ceux de la société. Près de 800 millions d'hommes et de femmes sont analphabètes. Ils sont privés des compétences de base, que sont la lecture et l'écriture, qui ouvrent la voie à l'autonomisation, à l'estime de soi et à la citoyenneté active. Cependant, l'alphabétisation seule ne permet pas aux adultes de maîtriser le quotidien. Ils ont besoin de toute une gamme de compétences pour assumer leur rôle de membre d'une famille, de soutien familial, de membre d'une communauté et de citoyen. En tout lieu et en tout temps, les individus apprennent tout au long de la vie. L'apprentissage se fait au sein d'institutions et de programmes éducatifs, mais également de façon informelle, au travail, à travers les médias et par la vie en société. Les êtres humains sont confrontés au changement en permanence, ce qui les oblige à appréhender les choses différemment et à réajuster sans cesse leurs compétences. Ces changements se produisent en famille, au travail ou dans leur environnement causé par les guerres, les épidémies, les crises économiques ou écologiques. Dans un monde en constante mutation, la capacité de s'adapter aux changements est indispensable. Les adultes apprennent pour s'épanouir ou pour améliorer leurs conditions de vie. Mais même s'ils sont motivés par autre chose, ils doivent apprendre pour survivre. Faute de quoi, ils seront marginalisés, exploités et privés de leur autonomie. En tant qu'individus, communautés et sociétés, nous devons apprendre à faire face aux défis actuels, à anticiper ceux à venir et à veiller à une répartition équitable des fruits du savoir. Nous devons non seulement garantir un accès universel et égal à l'éducation et à l'apprentissage, mais aussi améliorer les compétences sans distinction de sexe, d'âge, de conditions sociales, de handicap, de lieu ou de religion. Il faut enfin que nous valorisions et reconnaissions toutes les formes d'apprentissage, quelle que soit la manière dont il a été acquis et le lieu où il s'est déroulé. L'éducation transforme les hommes et le monde. Investissons dans l'apprentissage des adultes pour un avenir viable.